Je m'appelle Edouard Lebas, j'ai 25 ans et je suis ingénieur cybersécurité dans le groupe Ivecia depuis 2020. Mon travail consiste à la gestion opérationnelle de la cybersécurité au sein du groupe Ivecia. On fait beaucoup de réponses à incidents, de l'accompagnement de nos métiers, on fait beaucoup de sensibilisation à nos collaborateurs, mais aussi de la veille sur tout ce qui est réseaux sociaux, toutes les communautés d'échange qu'on peut avoir pour toujours être au fait des dernières menaces. Oui, il est passé par ce site-là, ensuite il est arrivé chez nous, il y a une configuration qu'il faut qu'on regarde. C'est plutôt un travail d'équipe, car on a toujours besoin d'un second regard sur notre travail et ça permet de prendre du recul sur la situation. J'ai intégré le groupe Ivecia en tant que contrat de professionnalisation en 2017 avec ma licence professionnelle en cyberdéfense. J'ai poursuivi ensuite avec un master 1 et 2 et j'ai été embauché en 2020 en tant qu'ingénieur cybersécurité au sein de la direction informatique. L'évolution s'est faite naturellement. C'est très valorisant de pouvoir être embauché après l'alternance. Ça concrétise le projet et les efforts qui ont été menés durant toutes ces années. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est l'inconnu du lendemain et aussi principalement l'accompagnement de nos directions informatiques afin de pouvoir prendre en compte à tous les étages la cybersécurité au sein du groupe Ivecia. Je pense qu'il faut être rigoureux, loyal et surtout avoir beaucoup de sang-froid. Parce qu'il est nécessaire de pouvoir gérer de temps en temps des crises et pouvoir prendre du recul rapidement sur la situation afin de piloter cette crise le mieux possible. Si j'avais un mot pour décrire le groupe Ivecia, ça serait ambition. Je pense que c'est une grande force pour le groupe Ivecia d'avoir une direction dédiée à la cybersécurité. Ça montre que le groupe a pris conscience des nouvelles menaces d'aujourd'hui.